اختي اخواتاتي جيسبر راكم لاح باسكو اليوم انا مانيش كاع مليح اون فا بارلي دان سوجي كي دبلي ربي كوز لو مالور ا تو لي ارجيريان سي ان سوجي بالك لو سو سوجي كي في لونانيميتي في بلادنا يعني الموضوع الوحيد اللي كاعنا متفقين عليه اون لابورد شاك جور نشتكو شاك جور ني اون جامي شيرشي دي سوليسيون نحكيكم على لو سيستيم دو سونتي على لي زوبيتو تاعنا السبيطارات تاعنا او بلوتو لي موغوار اللي ولا عندنا il est honteux يا جماعه 2018 honteux en 2018 nous n'avons pas d'hôpitaux dignes de ce nom on n'a plus un système de santé en Algérie on a un système de maladie on n'a plus de système de santé le mot santé il faut l'enlever الحقنا يا جماعه اليوم الانسان يموت وصاد حكينا عليها هنا في Algérie Part On a fait plusieurs articles, plusieurs enquêtes, on a fait plusieurs décryptages. L'année dernière, un Algérien il est mort en pleine ambulance parce que dans l'ambulance, il n'y avait pas de matériel de réanimation. Ce qui est grave. Il y a des Algériens qui meurent quand ils rentrent dans les hôpitaux à cause de manque d'hygiène, à cause des problèmes de, des maladies qu'ils attrapent au sein des hôpitaux. C'est des tabous. Il y a aujourd'hui, on a publié, on a fait Algérie Park, qui fait une scène, Sidi Belabbas, Bertour, Alger. مستشفى تاع سيدي بلعباس يبعثوا لالجي باش يعطيو له ان اوردونونس يقول له انت روح شري السيزو المقص ودوطرو زوتي باش يقدروا يديروا لك اوبيراسيون شيرجيكال في سيدي بلعباس سا اريف اون 2018 لا بينوري دي ميديكامون لو بروبليم دي ميديسان Tu rentres dans l'hôpital, il n'y a plus assez de médecins. Les services d'urgence complètement débordés. Des vieux hôpitaux, la majorité écrasante de nos hôpitaux, ils datent de l'époque coloniale. C'est honteux. C'est tout simplement honteux. Et encore, ce qui est encore plus honteux, le mensonge. Un peu comme l'article 12. Tu as le projet de loi de santé, la loi de santé qui a été adoptée. Du coup, l'accès aux soins, il est gratuit. Et cette gratuité doit être accessible à tous et à toutes. C'est-à-dire, en clair, se soigner en Algérie et doit rester gratuit. Ce qui est complètement faux et mensonger. كما اليوم il n'y a plus de gratuité de soins نعطيكم كيما حكيت لكم لي زيكزامبل الناس هي تحت شي دوا لي سكانر ما كاينش من عند البريفي طبيب ما كاينش من عند البريفي une étude qui a été réalisée par le professeur العربي العمري نحييوه بروفيسور العربي العمري c'est un expert en économie sanitaire كاين une spécialité يا جماعه واسمها l'économie sanitaire واش تقولنا البحث اللي داروا يعني لا ريشيرش اللي داروا le système de santé تاعنا 25% 25% le coût des soins en Algérie sont financés par les citoyens algériens. 25% 25% يعني le quart de tout le coût du système de santé en Algérie, c'est le citoyen qui le supporte. Donc il n'y a plus d'accessibilité, il n'y a plus de gratuité. وين يروح لازم هو يجيب الدواء. عايشين حتى المقص لازم هو يشريه. Le matériel de réanimation ما كاش. La CNAS, la caisse d'assurance sociale, ne contribue qu'à 21,5% du financement du système de santé. La CNAS, c'est les citoyens 25% ou le BRC, c'est les subventions directes et indirectes, plus le budget de l'État qui est accordé à la santé. C'est donc un peu comme ça. دولة الجزائرية كذب وكذابين ما يحشموش هما يبارتو سواني en France ils meurent en France pour une grippe ils partent en France C'est pour ça qu'ils ne connaissent pas les réalités de notre système de santé, ils nous mentent. C'est quoi le deuxième mensonge ? Le mensonge, ils nous disent que l'Algérie dépense beaucoup d'argent pour ce système de santé. Ce qui est faux, et la solution, elle est là. Nous devons réinvestir dans notre système de santé. Les pharaouettes qui nous ont fait le Djazel, nous avons fait le système de santé. C'est comme Arkham. Dans les pays développés, ils servent jusqu'à 4 000 $ par habitant pour le système de santé de Tahom. En Algérie, on ne dépasse pas les 400 $ par habitant. Regardez la différence qui est entre les pays développés. 5%, moins de 5% de la richesse nationale de Jazair, elle est destinée au financement de la santé. Ce qui est encore très, très peu. On est très loin de la norme des pays développés. Et pourtant, nous avons toutes les ressources nécessaires. Nous avons développé un système de santé important qui peut, en plus, répondre aux besoins de la population. Et c'est pour ça que la population algérienne, elle est rétablie. Moi, on a 20 millions, 15 millions de semaine. On est maintenant plus de 40 millions. Dans 10 ans, on dépassera 50 millions. Et cette on fait plus d'un million de bébés par an. Donc, il y a des besoins réels. Il ne suffit pas de construire des hôpitaux et de partir avec la caméra de l'ENTV, de trouver un hôpital. Ce n'est pas les infrastructures uniquement. C'est toute la gestion du système.
Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, Kanye, parmi lesquelles. Nous comme un exemple, qu'il y a un professeur, il est Farid Chaoui, il a fait des propositions très intéressantes. Quelle est la proposition qu'il a faite? Réinvestir dans le système de la santé, mais comment? Nous avons besoin de la CNAS. Avec la CNAS, puis nous allons rembourser les médicaments, mais ils utilisent une grille tarifaire de 90. Alors que les médicaments, les prix des médicaments ont complètement changé. Il y a des médicaments nouveaux qui viennent d'exister à peine, qui viennent d'être inventés. On utilise encore la grille des années 90. C'est-à-dire que là, je n'ai chez toi rien, qui a la CNAS, il y a un remboursé à 50-40%. Il faut être vraiment malade chronique pour être pris en charge 100% ou à 80%. Cette grille, elle est complètement dépassée. Donc, une réforme urgente de la CNAS. Ce professeur Farid Chaoui, il propose quelque chose de très intéressant. Il dit que pourquoi ne pas créer une nouvelle caisse nationale de maladies. C'est une nouvelle caisse. Les lacunes de Trolféa, la caisse aussi de Trolféa. Où est la nouvelle caisse? Il y a des budgets importants pour gérer tout le remboursement, non seulement le remboursement des médicaments, mais la gestion des prestations de santé et aussi la gestion des hôpitaux. C'est une proposition qui est très intéressante et qu'on peut appliquer. Il propose cette année de faire un nouveau programme national de développement du système de la santé. Il faut un nouveau programme national. Ou même dire une jonction entre les structures privées et les structures publiques. Mais allez chez le privé, mais il ne faut pas le laisser hors contrôle. Il ne faut pas laisser le privé faire le business des soins. Il faut au contraire le contrôler, le fusionner, essayer de le gérer. Avec des solutions pareilles, nous pouvons faire le système de santé. Il est possible, si on fait une nouvelle caisse, on change la CNAS, on met du budget, on consacre au moins 10% de la richesse nationale au système de la santé. Mais nous avons toujours $400 par habitant au Zaire. Il faut de véritables managers au sein des hôpitaux. Il faut qu'un hôpital soit autonome. C'est pas grave. Créer l'accès à tout le monde pour les pauvres et les nécessiteux, dire des cartes d'accès, dire des cartes de santé, par exemple, qui me donnent à certains pays des cartes. كل واحد يحسب لو بوفوار داشا تاعو قال انت تدخل 5 ملايين عطوك لا كارت هاولي كي غراتوي هاولي كاسكي ني با غراتوي دو لوبيتال لي خوص 10 ملايين ولا كاسكي غراتوي كاسكي ني با غراتوي دو لوبيتال لوبيتال الجيريان دو غانيي دو لارجون il faut qu'il gagne de l'argent pour pouvoir gérer mais nous avons un système de management une administration autonome qui doit s'assurer بلي لازم عليها هي elle doit assurer l'autosuffisance financière. Donc, imaginez nous un hôpital que le ministère de la Santé. Où nous disons, nous sommes en train d'enquêter faire Algérie Part, elle a un gros problème, qui est le foyer de la corruption dans le secteur de la santé en Algérie. Ça s'appelle les programmes prévisionnels d'importation. Les PPI, les programmes prévisionnels d'importation, Bihom, il faut aller demander ces programmes pour qu'ils soient débloqués au niveau du ministère de la Santé, mais je n'ai pas besoin d'acheter des médicaments en Algérie. Il y a des gens qui ont le monopole, ils ont le droit d'importer les modialises, qui sont allés faire Algérie Part, qui sont bloqués, alors que les médicaments, on en a vraiment besoin, et beaucoup de malades attendent des médicaments pendant des mois. Donc la gestion de ces PPI, elle doit être complètement revue et réévaluer. Le ministère de la Santé, une commission d'enquête parlementaire et un rapport de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, pour réorganiser le ministère de la Santé. Il n'est pas normal que ce ministère soit maintenant une caserne où il n'y a pas de transparence, où la gestion financière, elle est gérée, on a prouvé faire agir les parts, derrière des appels d'offres, j'ai des médicaments surfacturés ralliés, alors que les hôpitaux français ou allemands achètent les médicaments que nous achetons à des prix moins chers. Ce n'est pas normal. Il faut que ce ministère nous ouvre ses portes. Il faut que le ministère de la Santé soit soumis à un contrôle d'une institution qui doit chapeauter tout le nouveau programme national de la santé. Une autre solution, et je termine par ça, il faudrait peut-être faire pression sur la France. Il y a France. Mettre des hommes chez les dirigeants. Plus vous les soignez, messieurs les Français, mesdames les Français, les Françaises, plus, mes chers amis français, vous soignez nos dirigeants, plus ils ne pourront jamais se concentrer sur le développement de notre système de santé. C'est peut-être une boutade, mais la réalité est encore plus amère. A t'es comme ça, on te l'a dans d'autres chroniques.